Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette 13e émission et je vous remercie bien sûr d'être encore et toujours là à nos côtés pour découvrir de nouveaux auteurs, de nouveaux trailers, de nouvelles plumes. Donc, au programme, bien sûr, hormis un certain nombre de teasers, parfois nouveaux, d'autres moins, mais qui vous rappelleront certains de nos coups de cœur. Nous vous proposerons une interview d'une auteure que vous avez appris à connaître via notre blog et via cette émission, puisqu'il s'agit d'Annie Sedan, qui publie son troisième roman, qui fait partie d'une saga un peu plus vaste, qui s'appelle Chronique de l'invisible. Et donc ce roman s'appelle Les oiseaux de pierre. Et d'ailleurs, je vous en parlerai puisque j'ai également lu son livre un petit peu en avant-première. Ensuite, nous vous parlerons du nouveau roman de Gauthier Hiergnaud, Septième vague, de Angela et moi et les autres, de Perrette Fierquet, de L'Enchère, de Alain Charles, Lovely Brunette, tout simplement, d'Edmé de Havé. Nous parlerons également de Journal d'une Bad Teacher, de Rosa Elsman, des statues de Jean-Louis Minot et enfin le tri sélectif de Joachim Bourri. Et puis il y aura une petite surprise signée Edmé de Havé, mais ça, je vous en laisse la primeur. Avant de commencer, je vous rappelle le numéro 24 de la revue Les Petits Papiers de Chloé est paru. Elle peut être commandée et vous y découvrirez des nouvelles et des courts textes qui ont été choisis par les lecteurs du blog Aloïs. Donc vous retrouverez des plumes comme celles de Micheline Boland, de Karine Lordéguin, Annie Sedan, Laurent Féménias, Joé Valeska par exemple, avec leurs illustrations. Ou alors les illustrations signées François Buckels. Eh bien maintenant, il est temps de commencer. Eh bien, je vous souhaite une bonne émission. Aujourd'hui, je vous présente Annie Sedan,
qui est une auteure de Chloé Delis déjà depuis quelques années, finalement. Oui, puisque tu me dis qu'on s'était même rencontrés il y a déjà quelques années. Voilà. Et ben voilà, c'est le moment de te présenter, de nous dire quel est le genre de ton écriture. Ta littérature est orientée dans quel... Alors, eh bien, moi j'écris plutôt de la fantasy. Et alors, mais c'est une fantaisie qui est quand même moins sombre que le genre habituel, oui, j'allais dire ainsi. Oui. Et alors, il y a aussi de l'humour, parce que moi j'aime bien ça, c'est de l'humour dans les histoires. Donc c'est plutôt amusant, et c'est, ce sont des romans tout public en fait. Oui. Donc, même le. Je dire de 10 ans, je vais dire jeune adulte, voilà. Un vieil adulte aussi. Voilà. Et moi, j'ai lu un extrait récemment sur Aloïs, sur le blog d'Aloïs. Oui, oui. Et j'en avais peut-être déjà lu, mais j'en ai fait moins attention. Oui. Et j'ai trouvé que tu emploies un vocabulaire vraiment magnifique et la concordance des temps. C'est un régal. Ah ben merci. Et c'est rare. Et pourtant, d'ailleurs le troisième, je l'ai dédié à mon professeur, à mon institutrice de troisième primaire, oui. Parce que c'est grâce à elle que j'ai un petit peu débroussaillé les conjugaisons, parce que chez moi c'était une catastrophe. Ah bon? Ah ben oui. Là on voit qu'elle a bien débroussaillé. Elle est passée à la tondeuse. Ah oui, elle a bien travaillé. Et c'est vrai que j'aime bien les... J'aime bien que la phrase est bien construite, oui. J'aime bien quand... Ça se remarque tout de suite. Mais, et quand on lit, j'aime bien que ça coule, un peu comme une musique. Ça se suit facilement. Maintenant, je ne dis pas que j'y arrive chaque fois, mais c'est ce que j'aime bien. Tu recherches. C'est ce que je recherche. Ah, voilà, d'accord. Une belle phrase. Wow. Ouais. Alors voilà, on va parler maintenant de ton premier ouvrage, de cette série, des chroniques de l'invisible. Oui, donc Magie en péril. Alors, dans ce premier roman, on découvre l'invisible, le monde dans lequel les histoires se passent. Alors, on découvre aussi les domaines, bien sûr, les cités et les personnages importants, dont Valérian, un jeune apprenti chevalier à l'Académie de Grand Manoir. Son vieux maître Merlin, qui est un mage bougon un peu colérique, et Ortie, en fait son nom c'est Dame Hortense, mais on la surnomme Ortie, qui est une marraine fée, pleine de ressources, et qui est entraînée souvent avec Merlin et Valérian dans des aventures un peu compliquées. Oui. Et alors, tu m'as dit que ça s'occupait principalement, enfin, ça s'orientait principalement sur la défense de... Mais celui-ci, oui, en fait, l'histoire mène, en fait, et parle en fond, je vais dire, le fond, c'est la préservation de la nature, du monde invisible, et alors de la préservation, vraiment, de la magie aussi, parce que la nature et la magie, la nature du monde est magique, donc d'accord. tout, c'est pour ça que le titre d'ailleurs c'est Magie en péril. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté, j'ai bien aimé ce petit côté un peu écolo, je vais dire, mais dans le bon sens du terme, dans celui-ci. Oui, d'accord. Voilà, on passe au tome 2, le sixième domaine. Et alors, dans celui-ci, Merlin a disparu en fait. Et alors, Valérian et Ortie se lancent à sa recherche. Et celui-ci est plus axé sur la magie en général. Donc, on parle de magie de mage, on parle de magie noire et de magie elfique aussi. Oui. Et on apprend aussi dans celui-ci que le Grand Conseil, qui est en fait une réunion de représentants de chaque domaine, puisqu'il y a 5 domaines, a été créé en fait pour préserver l'invisible de la magie noire. Oui. Pour que ce qui s'est passé il y a un certain temps avec les liens magiques ne recommence pas. Ne se représente pas. Oui. Et alors là aussi, c'est une grande aventure, évidemment, avec beaucoup de rebondissements. Oui. Et à la fin, j'ai essayé de faire même un coup de théâtre. Oui. En espérant qu'ils soient plutôt réussis. Je vois qu'il y a un dragon là. Oui, c'est Azimut en fait. Du dragon. Alors, nous voici arrivés au troisième tome publié, parce que ce n'est pas fini. Ce n'est pas mais fini, non. Celui-ci, donc, c'est... Les oiseaux de pierre. Et alors, dans celui-ci, en fait, on va découvrir les origines de Valérian.
Et puis aussi, on va explorer une époque plus sombre de l'invisible, puisque c'est l'époque des guerres magiques. Qui est avant l'époque presque 300 cycles avant. Et alors, et c'est de là qu'a été créé, c'est suite à ça, aux guerres magiques, qu'a été créé le Grand Conseil, donc cette réunion des représentants des domaines. Oui. Leur but ultime, donc, de veiller à ce que la magie noire n'ait plus jamais lieu sur la visible. Et alors, c'est aussi une grande aventure avec beaucoup de rebondissements. Oui, et beaucoup de personnages. Beaucoup de personnages aussi, dans le temps, donc il fallait évidemment faire vivre cette époque. Oui, de quelle meilleure manière que de le faire avec d'autres personnages. Oui, évidemment. Les personnages qui restent quand même principaux et qui font l'histoire, ça reste Merlet, et Valérian, bien sûr, et Azimut, que l'on a vu tantôt. Oui, notre petit dragon. Que je n'oublie jamais, parce qu'il est important. Ah, voilà. Eux aussi, oui. Des petits rôles importants. Les seconds rôles, j'aime bien. Ils sont importants aussi. Mais voilà, tu nous as bien présenté chacun de tes livres. Merci. Et j'imagine que tu as encore quelque chose sur le feu. Oui. J'ai un roman chez Claude Ellis pour le moment, qui est à la lecture. Et alors celui-là, ça se passera dans le domaine le plus au nord de la visite, du monde que j'ai créé. Et alors il y aura aussi un grand spectacle, des personnages assez hauts en couleur. Et une partie qui se passera aussi sous la mer. Sous la mer, on va vraiment dans tous les éléments, dans l'air avec le dragon. Toujours là aussi. D'ailleurs, il va prendre une forme un petit peu particulière. Voilà, à suivre. Donc, eh bien, merci. J'ai passé commande de ce troisième volet, en fait, des Chroniques de l'Invisible, qui s'appelle « Les oiseaux de pierre ». Dès que j'ai su qu'Annie Sedan avait bouclé sa maquette, vous voyez, j'étais un peu pressée, très impatiente de découvrir cette nouvelle histoire. Il faut dire que j'avais en fait adoré les deux premiers volets, Magie en péril et le sixième domaine, et que je voulais savoir ce qu'il était advenu de Valérian. Alors, je dis ça bien sûr, mais ce troisième roman peut être lu de façon indépendante. Et d'ailleurs, je suis persuadée que si vous lisez celui-ci, vous irez très vite lire les deux précédents. Alors, oserais-je dire que c'est le meilleur des trois ? Peut-être, oui. Mais parce que je me suis approprié les héros et parce que cet univers maintenant est bien en place et que j'ai hâte de découvrir la suite. Alors, nous parlons de quel genre, en fait, de roman ? Pour ceux qui ne le savent pas encore, Annie Sedan a créé tout un univers magique où magie noire et magie blanche se côtoient, où les mages, les elfes, les dragons, les incarnés prennent vie et où les domaines en fait sont en but à des forces occultes sournoises toutes puissantes. Les Chroniques de l'Invisible sont destinées en fait à un très large public, enfants, ados ou adultes. Tous ceux qui sont ou restent prompts à l'émerveillement seront absolument envoûtés par les héros de cette trilogie. Alors, bon, je ne l'ai pas tourné autour du pot. J'ai adoré, vraiment. L'écriture est fluide, riche, très agréable. Elle plonge implacablement le lecteur dans cet environnement si particulier créé par Annie Sedan. Alors, ce que j'ai aimé retrouver, Azimut, le dragon, que j'avais découvert dans le précédent, les sixième domaines, Merlin, Orti, Valérian, bien sûr. Mais nous allons faire connaissance dans cet opus, donc d'Angélie, une fée marraine incroyable, de bravoure et de détermination, de Glawen, une elfe, enfin, peut-être, je ne veux pas trop en dévoiler, qui est vraiment extraordinaire, et de bien d'autres, tous plus attachants les uns que les autres. Alors bien sûr, vous ne saurez rien de l'histoire, vous avez vu le teaser tout à l'heure. Je ne vais pas non plus vous laisser le moindre indice sur cette espèce d'imbroglio
temporel. Mais je vous conseille de vous plonger sans aucune modération dans cette aventure hors norme. Et je vous conseille de laisser en fait votre âme d'enfant prendre le dessus, l'espace de ces 281 pages palpitantes que vous dévorez, l'espace d'un éclair, je vous le garantis. Alors, vous l'avez compris, les oiseaux de pierre sont un méga coup de cœur et j'espère, non, je sais en fait, qu'il va y avoir bien d'autres aventures où nous retrouverons Valérian, Merlin, Ortie et Azimut. Alors, vivement le prochain! You do.
Voilà longtemps que je n'avais pas lu du Gautier Yernaux et ça tombe bien puisque donc son dernier ouvrage paru l'a été aux éditions Chloé Delis. Il s'agit de La Septième Vague et autres nouvelles. Donc je referme ce bouquin. Je peux vous dire que donc son style est toujours aussi précis, toujours aussi imagé. Ses personnages sont toujours aussi bien campés et ceux-ci sont même inhumains à la recherche de quelque chose qu'ils ont perdu, le bonheur et la liberté. Il s'agit ici d'un recueil de 8 nouvelles plutôt courtes hein, qui nous proposent tout un panel de personnages, on va dire, gris, vous voyez, de ces êtres sans volonté propre, manipulables à souhait, mesquins, juste ce qu'il faut, idiots, juste ce qu'il faut également pour se retrouver dans des situations inextricables. L'auteur jette un regard acéré, voire acide, sur notre société, notre monde, ses travers, son devenir possible si rien ne change, et nous propose toute une galerie de portraits qui interpellent le lecteur plongé dans une ambiance pesante où le calcul prime sur tout le reste. Il nous décrit des humains qui sont, on va dire, tombés sur la tête, bousculés par les effets pervers de décisions a priori, on va dire, logiques, raisonnables, responsables, mais qui s'avèrent au fil du temps, ben, a posteriori, mortifères. Alors, franchement, Gautier nous propose là des sociétés cauchemardesques. J'en frissonne encore. Il aborde des thèmes d'actualité comme le Covid et ses confinements, l'écologie poussée à son paroxysme, le non-choix de vie au sein d'une société sclérosée, névrosée, dévoyée. Ces humains-là, en fait, ils ne vivent pas, ils survivent. Le lecteur, en fait, se sent oppressé, surveillé, manipulé tout au long de ces nouvelles, on est horrifié, on est choqué, on se dit que ce futur-là ne peut pas être le nôtre. Non. Quoique. Je vous laisse découvrir en fait ce recueil qui est un autre coup de cœur. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter les statues de Jean-Louis Minot. Mais d'abord, j'aimerais remercier Edmé de Havet, sans qui je n'aurais probablement pas découvert ce livre. Ça aurait été vraiment dommage. Alors merci Edmé. Dans les statues, Jean-Louis Minot nous emmène dans un voyage intérieur, celui d'un homme dont l'adolescence s'est brisée sur une tragédie. Un homme que la souffrance et la colère ont mené en prison à la suite d'un nouveau drame. Mais le voyage intérieur de cet homme, c'est aussi celui d'un retour à la vie, difficile, rempli de culpabilité, que deux femmes vont l'aider à surmonter. À sa sortie de prison, pour l'une, puis lors du difficile retour vers les siens, pour l'autre. Malgré le thème dramatique, ce livre est loin d'être dépourvu de lumière, et il se laisse lire facilement. Il nous happe dans son univers, celui d'un jeune homme tourmenté, et nous donne envie d'en découvrir l'aboutissement. La plume fluide de l'auteur, tout en atmosphère et couleurs, fait souffler le vent, crépiter la pluie, nous fait toucher la pierre, la terre ou encore les écorces des arbres, donne vie aux fantômes et un soupçon de magie à l'amour avec une simplicité maîtrisée. C'est un beau livre qui mérite d'être découvert. Alors bonne lecture à tous! Thank you.
J'ai choisi de vous présenter cet ouvrage, Journal d'une bad teacher de Rosa Elsman. Le sous-titre, c'est Mes tribulations de jeune prof. Alors, j'ai choisi ce roman pourquoi? Bien écoutez, tout simplement parce que il s'agit, enfin, le titre est accrocheur, hein, vous ne pourrez pas dire le contraire. Et puis, par la curiosité qu'il fait naître inéluctablement en moi. Et d'ailleurs, la première page me rappelle bien des souvenirs échos de cette toute première fois devant des élèves. Aïe. Oups. Enfin bon. Au fil des pages, on sourit, on s'étonne, on stresse avec ce jeune prof en manque en fait de solutions. Écrit sous forme de journal, hein, on découvre en fait, on suit jour après jour, presque heure par heure, une enseignante confrontée à ses élèves, à ses doutes, à ses sautes d'humour et d'humeur, on va dire, hein. Il s'agit d'une vision étonnante, détonnante, mais réaliste, mais oui, hein, pour ceux qui ne connaissent pas en fait ce monde-là, d'une prof qui se retrouve pour la toute première fois, ça, pour sa première année d'enseignement, en poste, dispatchée sur plusieurs établissements scolaires, dans des classes, on va dire, disparates, tant au niveau de l'instruction que du côté de l'âge ou de la classe sociale. Alors, je ne vous dis pas ça, c'est terrible. Elle se retrouve face à une violence, à l'irrespect, à l'ignorance, à l'indifférence affichée de certains de ses élèves. Et donc, elle va se poser la question, comment réagir à ça? Comment faire pour embarquer les élèves et au moins leur inculquer des notions, hein? Elle est là pour ça. En fait, lorsque ces classes ne sont que le reflet en fait d'une société qui est elle-même en butte à ses propres doutes, voilà en fait ce que ça donne sur le terrain pour les enseignants. Écoutez, c'est un coup de cœur. J'aimerais vous dire de découvrir l'écriture nerveuse d'une auteure sans phare qui vous entraînera dans un microcosme que certains d'entre vous, même beaucoup d'entre vous, êtes vraiment loin de soupçonner. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du dernier livre que j'ai lu de Chloé Delisle, qui s'appelle Tri sélectif de Joachim Bury. Alors, j'ai beaucoup aimé ce livre, c'est un, comme on dit aux États-Unis, c'est un page-turner, vous tournez les pages, vous voulez courir à la fin. Et bon, ça commence tout mignonnement avec un couple moderne, Thomas et Céline, et ils ont des enfants. Et Céline est très impliquée dans les thématiques actuelles, c'est-à-dire l'écologie, l'environnement, sauver la planète, manger sain, voilà. Thomas aussi, mais enfin, il aime bien faire un petit péché de chips et de plats préparés de temps en temps, donc il est moins strict. Elle est très stricte, elle participe à toutes les manifestations, elle est tout à fait insatiable de ces choses-là. C'est décrit, ça, cette entrée en matière-là est décrite avec beaucoup d'humour et d'ironie, parce qu'on sent que Thomas est un peu détaché, mais quand même, il participe, mais plus cool, disons. Tout change au moment où un concours est annoncé sur la télévision et où il décide de participer, lui un peu contre son gré, mais il ne sait pas trop comment dire non, donc finalement il dit oui. Et il s'agit de s'inscrire d'abord hein, pour voir si on est digne de participer. On ne sait pas à quoi on va participer, on ne sait pas non plus ce qu'on va gagner. Mais les enfants disent ce sera peut-être une Ferrari rouge, alors ça vaut la peine d'essayer. Donc il accepte de participer, il faut entrer sa carte d'identité, etc. Donc voilà. Alors je vous lis un petit peu ce qui se passe après. Il se fait incendier par Céline parce qu'il se demande si c'est vraiment justifié toutes les questions qu'on demande. Au-delà de cette inscription, nous avons l'infime privilège, selon leur dire du moins, de pouvoir poursuivre l'aventure qui se déroule en plusieurs étapes.
et le mail de poursuivre que nous avons la chance de faire partie des premières personnes sélectionnées pour participer à cette grande expérience internationale en vue des solutions pour le climat. Donc Céline ne se sent plus de joie. Lui, bon, il veut bien continuer. Mais alors, à un moment donné, il découvre qu'il faut donner un tas d'informations qui sont quand même préoccupantes. C'est-à-dire qu'on doit savoir, on doit pouvoir les suivre par leur téléphone, on doit les suivre par GPS, on doit pouvoir contrôler ce qu'ils dépensent pour voir s'ils sont éco-responsables. Enfin, ça devient un espionnage de tous les moments. Et lui, quand même, ça commence à l'angoisser. Mais voilà, ils ont commencé l'aventure. Ils ne savent toujours pas d'ailleurs ce qu'ils vont gagner. Et puis alors, bon, je vous laisse évidemment lire le livre pour savoir. Ça tourne quand même. Disons que Céline devient tellement obsédée par ça qu'on ne sait plus la rattraper. C'est devenue une Jeanne d'Arc qui veut jeter toutes les voitures à essence et tout ce qui est électrique à la poubelle. On ne peut plus rien manger pratiquement, c'est à peine si on peut encore respirer. Et lui, là, il commence à pas la reconnaître, à perdre pied également. Finalement, il est sélectionné pour aller au grand rendez-vous final. Et c'est là que tout bascule, si on veut. Voilà, on est dans les dérives de l'excès dans la défense de toutes ces bonnes causes, mais qui peuvent devenir aussi des instruments diaboliques dans les mains de personnes qui ne sont pas préparées, surtout dans leur tête. Et bon, ça finit de façon assez déconcertante, et ce n'est pas vraiment optimiste, mais enfin, on espère qu'il y a une bonne opportunité derrière pour faire quelque chose. Mais je conseille le livre. Il ne faut même pas être intéressé par le climat, l'écologie, etc., pour apprécier l'histoire. Moi, je ne suis pas très touchée par ça. Je suis touchée, mais comme lui, disons, un peu de loin. Mais voilà, je vous le conseille quand même, parce que je me suis vraiment bien amusée au début, et puis j'ai été prise. Ça ne m'amusait plus tellement, mais ça restait toujours très captivant comme livre. Donc voilà, Tri sélectif de Joachim Bury, paru en 2021 aux éditions Chloé Delis. Fleur est une petite fille rêveuse. Elle aime regarder le ciel et s'imaginer l'impossible. Harry, son père, aime passionnément son travail. Il est fleuriste. Tous les deux ne font qu'un. Même face à l'adversité et les fins de mois difficiles. Y compris le jour où ils apprendront l'incroyable nouvelle. Fleur a un don. Elle voit le monde comme personne. Le lointain, le minuscule, l'invisible. Un don qui va bouleverser son existence et celle des gens qui l'entourent. Lovely Brunette, tout simplement, eh bien, c'est le dernier roman signé Edmé de Havé. Alors, beaucoup d'entre vous l'ont lu, certains l'ont découvert au travers de son teaser et des chroniques qui sont parues soit sur le blog Aloïs, soit bien sûr dans notre émission. Et donc, j'avais très envie de vous faire partager en fait mes impressions. Alors, c'est un roman que
J'ai commandé dès sa parution, mais ma pâle géante m'a pas permis d'en faire la chronique plus tôt. Voilà qui est fait. Et donc, je termine ce roman avec un sourire aux lèvres. Edmée de Havet nous raconte, non, on va dire, elle nous fait partager une histoire d'amour, une histoire de complicité qui l'a liée, non, on va dire qui la lie, hein, à Lovely Brunette. Je déteste utiliser en fait le passé pour caractériser cette liaison tant elle est particulière, tant elle est présente tout au fil en fait de la rédaction. Alors, il ne s'agit pas, attention, hein, d'une autobiographie, mais d'un récit rempli de tendresse. J'ai du mal en fait à vous parler de personnage pour cette personnalité hors norme de Lovely Brunette, si pétillante, si attachante, à la fois profondément humaine, courageuse face aux soubresauts en fait de son existence, mais aussi quelque part d'une joyeuse insouciance, non pas de celle qui caractérise, on va dire, hein, vous savez, les ravissantes idiotes des bouquins à l'eau de rose, non, mais de celle qui permet de surmonter tous les obstacles et de donner un nouvel élan à sa vie. Elle le donne en fait sans compter, mais reçoit aussi et s'abreuve à ces échanges qui la construisent. Inutile, bien sûr, de vous parler du style d'Edmée de Havet, c'est tout simplement de la belle écriture qui emporte le lecteur sans difficulté, qui sait traduire les émotions et en fait un puissant levier pour nous entraîner au fil des mots, des lignes et des pages dans la vie d'une héroïne de notre temps. Ce livre est un hymne à l'amour filial, j'ai tout simplement adoré. J'aimerais vous présenter et vous parler de L'Enchère, le troisième roman d'Alain Charles qui titille en fait ma curiosité. Alors, je ne peux pas vous présenter le roman papier tout simplement parce que l'une de mes amies me l'a chou-rêvé lors de sa dernière visite et elle ne me l'a toujours pas rendu. Donc voilà. Alors, pourquoi avais-je hâte de découvrir ce roman, cet ouvrage, tout simplement à cause de la présentation alléchante qu'en a faite l'auteur lors de sa parution. Comme toujours, l'auteur nous propulse dans un monde différent, un futur guère enviable, au cœur d'une planète surpeuplée aux inégalités marquées. Une fois de plus, Alain Charles met en scène une femme, Annabelle. Une jeune personne qui a tout pour elle, la jeunesse, la richesse, la position sociale. Ce qu'elle veut, elle l'a. Et cette fois, ce qu'elle veut, bien, c'est chasser. Chasser quoi? Un animal? Ben non, en fait, elle veut chasser un homme. Et elle va chasser un homme aux abois qui a perdu son travail, qui a perdu sa compagne, qui n'a absolument plus rien à perdre. Lui est très intelligent, mais désespéré. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Bon, je ne vous en dirai pas plus, bien sûr, sur l'histoire. C'est un roman, en fait, qu'il faut découvrir. Mais je peux vous dire que l'histoire, en fait, est bien menée. Elle est servie par une vraie ambiance pesante, stressante à certains moments. L'auteur crée un monde cauchemardesque qui pourrait devenir, pourquoi pas, réalité si rien ne change. Mais ce roman ne se limite vraiment pas qu'à ça. C'est également un roman d'amour, un amour improbable, impromptu, mais inéluctable. L'Enchère, voyez-vous, c'est un roman à vivre dans tous les sens du terme. Les personnages sont forts, complexes. On lit vite, on a envie de savoir ce qu'il va advenir de lui et d'elle. Mais écoutez, c'est un coup de cœur. L'attente. Il descend le chemin vers la vallée, ses cheveux blonds bondissant autour de sa tête, et je l'attends déjà. L'attente brûle mon cœur, cet écureuil enfoui sous mon sein, comme il dit. Il reviendra pour la noce dans 3 jours, plus que 3 jours pour que notre bonheur ne fasse qu'une seule chair.
sur les marches de l'église, je l'attends. Retarde le prêtre, retarde les heures. Il va venir, je l'attends. Je souris au chemin qui me l'apportera. Essoufflé, mais épris. L'Octavie est morte et le Gaston veut m'épouser. Il lui faut une mère pour les trois petits et une femme pour chauffer sa couette. Mais moi, j'attends mon Louis, comme chaque jour je guette l'or de ses cheveux au bout du chemin. Hier, quelques promeneurs sont arrivés de la vallée avec des sacs à dos et deux chiens. Ils m'ont demandé si le chemin les mènerait bien au refuge des trois ours et j'ai dit oui. Pendant qu'ils s'éloignaient, j'ai entendu une des jeunes filles dire que je marchais encore bien vite et bien droite pour mon âge. La maison des parents de Louis vient d'être achetée par des citadins. Elle tombait en ruine, abandonnée depuis que son frère aîné est mort d'un coup de sabot. Je l'attends, patiente. Quand il reviendra, le temps de la chair sera peut-être passé, mais pas celui du cœur. Je me fais bien vieille. J'ai demandé que l'on m'enterre dans ma robe d'épousée, qu'on la découse un peu à la taille et aux manches pour la faire passer, et qu'on mette Louis près de moi lorsqu'il reviendra. Mais surtout, qu'il ne monte pas avec cette tempête et attende que le vent soit tombé. L'avalanche a emporté quelques chalets et une partie du plateau, mettant à nu un corps congelé. À bout de souffle, deux gendarmes ont couru vers la maison d'où la vieille Élodie ne sort plus. Le Louis, il était là, à deux pas, Élodie. Elle a souri, fermé les yeux et a acquiescé de la tête. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Angela et moi et d'autres histoires de Perrette Firquet. Alors, comme l'auteur, qui nous en parle dès le début du livre, je ne savais pas du tout non plus ce que voulait dire biographème. Alors, j'ai cherché la définition dans le dictionnaire, j'ai rien trouvé. Je me suis donc rendue sur mon moteur de recherche préféré. Et là, j'ai découvert que le mot avait été utilisé pour la première fois par un philosophe français du nom de Roland Barthès et qu'il aurait comme signification, alors là je vous cite ce que j'ai trouvé, qui caractérise un élément biographique mineur de l'ordre de l'anecdote. Pourtant, il semblerait que ce soit quand même un peu plus que cela. Avec Angela et moi et d'autres histoires, Pierrette Firquet nous livre avec sa sensibilité de psychothérapeute de brefs moments imaginés de vie de femme, connue ou moins connue, mais toujours intéressante, aux vies et aux origines différentes, aussi éloignées dans leur parcours que sur la ligne du temps, et pourtant si proches dans leurs conditions de femme. Noire, blanche, juive ou pas, jeune ou vieille, toutes ont en commun la souffrance et la peine qu'elles combattent avec force et résilience. Parmi ces voix se mêlent parfois aussi celles de la nature, sauvage, primitive, quelquefois maussade ou riante, comme un énième personnage ensorcelant. Ce livre de 118 pages est un condensé d'émotions expulsées par les voix de 17 femmes à travers des textes courts mais intenses, très émouvants pour certains et toujours touchants. C'est aussi une belle manière de découvrir ce qu'est le biographème. Alors maintenant que vous savez comment faire, bonne lecture à tous. Thank you.
passeport de regard changeant.